Nous remercions les seigneurs, nous remercions également les autorités traditionnelles, nous remercions le président du comité de développement du canton de Kola. Pour cette édition 2022, nous dirons qu'on a eu un plus. Un plus parce qu'il y a eu d'abord un engouement de tous. Les filles et les fils de Kola, eux tous portent un intérêt déjà pour notre comité. Et c'est déjà un plus. Comme conseil, je voulais tout d'abord dire un appel à nos élites, à nos grands frères qui nous regardent, de ne pas baisser le bras, de continuer à l'avant et de soutenir les petits frères et le développement du canton de Kola. Nous avons déjà soumis des projets au niveau du comité de direction du CODECO. Vous savez, nous sommes d'abord jeunes. Les projets que nous avons vont en droite ligne avec les problèmes de la jeunesse. Tout d'abord, nous avons un projet de sensibilisation, un projet de remise à niveau pour les élèves de classe d'examen. Avant même le mois de juin, nous avons un projet de remise de cours à niveau. Et bien sûr, avec le concours du CODECO, que je tiens à remercier. Merci beaucoup. Je voulais d'abord ici tout d'abord donner le conseil aux jeunes ici qui sont dans le canton de Kola, qui vivent ici. Vous savez, aujourd'hui nous vivons, tous les jeunes se sont lancés dans la consommation de drogue, de l'alcool. Je voulais lancer un appel ici à tous les jeunes de nous comprendre, d'éviter ce fléau. C'est un fléau très néfaste, non seulement pour leur santé, et aussi pour leur évolution personnelle sur le plan culturel, sur le plan scolaire, sur le plan social de toute façon. Je voulais également lancer un appel à tous les jeunes qui sont à l'extérieur du canton de Kola, de ne pas abandonner Kola, de ne pas rester définitivement là où ils sont. Qu'ils se souviennent, Kola d'abord, c'est leur origine, c'est leur terre. Ils peuvent rester n'importe où, mais la stabilité, leur stabilité se trouve mieux ici. Ils sont à l'aise ici qu'ailleurs. Avant tout, c'est la terre de nos ancêtres. Ce n'est pas seulement la terre du chef, ce n'est pas seulement la terre des princes, mais c'est la terre de tout le monde, de tous les enfants de ce canton. Donc, c'est un peu ça. Je m'appelle Ibrahim Falama, je suis le prince de ce village. Je suis également élite de ce canton. Je voulais tout d'abord saluer mon père, le lamido de ce canton. Je voulais également saluer le président du comité de développement de Kola. Je voulais également saluer mon ami Mazaïvou Luc Magloire de Zouvoul. Je voulais également saluer tous mes camarades qui ont apporté un plus à ce comité. Je tiens à leur dire également un grand merci pour leur soutien. Et okay. Merci. Également à vous, Moussa Badiam, merci pour votre soutien. Vous êtes, je vais dire ici, si je peux dire, exemple, si les jeunes peuvent prendre votre exemple, vraiment merci. Et bon courage à vous. Merci.